Nous toujours là pour nous informer, permettre aux gens qui ont un bon comportement pour adopter, surtout par rapport à la question risque sismique. De janvier par loin arrivé, et chaque fois on a privé dans la date ça, il est toujours intéressant pour nous garder qui s'en déjà fait, pour que si n'importe qui le terre a tremblé, nous pas gagné, même quand c'était Mounsao qui mourit, janvier 12 janvier 2010, bilan a été parlé de 200 à 300 000 personnes qui perdu la vie. Et là, pendant la semaine, tout faut que nous soulignions ensemble de petits secousses que nous ressentis, dans le sud, mais nous n'importe presque tout, on dit hier, t'es gagné, et t'es qui était tremblé. Et là, nous allons faire le point sur tout ça. Hier soir, il faut que nous précisions, gagner et même galette tsunami pour région A, après ce coup, c'était ressenti entre Honduras et Cuba. Nous allons regarder tout ça avec le directeur général Bureau Minak Énergie, professeur Claude Prepti, qui a accepté de répondre à une question. Nous, une fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro mis au point ça sous TNH. Monsieur Prepti, c'est un plaisir pour nous avec nous à terre. Bon, plaisir partagé. C'est toujours avec un peu de plaisir que je réponds à l'invitation de l'émission mise au point de TNH. Parfait. Et bonjour et bon à toute auditrice et auditeur de TNH. C'est ça. On a démarré avec lundi. Lundi, selon le dernier bulletin qui sortit à Okaï, t'es tremblé. Et même parlé de l'épicentre qui était dans la mer. Port-au-Prince hier, vers 1h59, t'es gagné un secousse, t'es ressenti. Bon, saison sismique, pour un petit. Non, pas qu'on saison sismique, hein. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que nous avons une période côté à tremblé plus. Et si nous faisons surveillance pendant toute l'année, c'est le même résultat que nous avons gagné. Si on regarde les bulletins République Dominicaine, on a une zone Punta Cana, c'est presque chaque jour qu'on a une secousse qui fait, mais de très faibles secousses. C'est des secousses que nous n'avons peut-être pas même ressenti, mais appareils ont enregistré. Donc Punta Cana, la zone Porto Rico, parce qu'il y a une force qui passe dans la zone. Mm-hmm. Et force ça, bah, en pile les tremblements de terre. Donc pour moi-même, ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Tout simplement, c'est des informations qui sont très importantes pour nous, parce qu'avant 12 janvier, nous avons un réseau de surveillance sismique là, qu'on y a, et nous sommes capables de détecter petits secousses que personne n'a ressenti. Donc une fois que nous avons ressenti libre, pendant l'année, nous sommes capables de connaître qui zone qui tremble plus par son lot, et qui des côtés tout. Nous par contre tout côté que sous sismique, tout côté que faille passé. Donc ce sont des indicateurs qui montrent nous que zone ça, gon sous sismique, gon faille que nous ne connaissons pas, soit que la mer, soit que le sous-terre. Donc il faut que nous bâillons information à la population qui est plus proche de sous sismique ça, pour connaître qu'il y a vivre tout près on faille. Qui ou leur capable d'avoir un plus gros tremblement de terre et bon capable victime de eux-mêmes tout. Dans le sud, donc cartographier faille ça qui était en mouvement lundi. Hein? Non, il n'est pas cartographié, c'est dans la mer que lui. Il n'est pas facile pour cartographier une faille qui est dans la mer. Bon, il y a des études techniques pour qu'ils fassent. C'est sûr qu'il y a des rapports, il y a des thèses qui font qui montrent qu'il y a une faille dans la zone. Mais le fait qu'il y ait une faille qui passe dans la zone, ça veut dire pour autant que la faille est active. Une faille qui est active, c'est une faille qui est capable de battre le tremblement de terre. C'est-à-dire capable d'accumuler l'énergie et qui est capable de libérer l'énergie ça à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas toute faille qui est active. Donc, il y a une étude spéciale pour qu'ils fassent cette faille-là, pour étudier le degré d'activité de faille-là, pour qu'on ait vraiment ce danger qui est lié du point de vue sismique. Mais ce n'est pas pour la première fois que nous avons enregistré de telles secousses dans la mer. Et la fin année 2017, là, nous avons enregistré une tout près, c'est en face de Belance, toujours dans la mer, à 11 km au sud de Belance. Donc, une zone ça dans la mer, qui est au sud de la presqu'île du Sud, probablement une faille qui passe dans la zone nord et qui est active, qui a bâti le tremblement de terre de temps en temps. Donc, il faut surveiller lui parce que c'est dans la mer que lui. Il aurait suffi que le tremblement de terre ait une magnitude de 6.5. Et profondeur inférieure à 50 km pour le travail ou tsunami. Et si on a un tsunami dans la zone, là, eh bien, quelques minutes après, eh bien, toute côte sud, parce qu'il du sud là, a envahi par la mer. Donc, là, du côte sud là, on parle de quelle zone exactement? Si vous regardez les cailles en face, la mer, donc tremblement de terre, c'est dans la mer qui est en face les cailles. Donc, toute ville qui est sous côte presque du sud là. Donc, toute ville, ça, par exemple, cailles, Belance. En Sapi, toute zone Sahara, donc c'est des villes qui sont menacées par la mer, parce qu'ils sont en face de la mer. De même que dans le nord, où prend au Cap-Haïtien et Port de Paix, bon Saint-Nicolas, et tout bien par la mer, tout, mais gonfaille, la faille septentrionale qui passe dans la mer. Donc s'il y a un gros tremblement de terre, il est capable d'avoir un tsunami qui est capable d'affecter toute côte de trois départements dans le Grand Nord. On avait dit qu'ensemble de failles, je veux dire, que nous pouvons gagner, nous pouvons cartographier.
Bon, c'est sûr que nous prenons plus le temps pour nous cartographier toute faille, parce que ça demande une spécialité particulière que nous n'avons pas gagné en Haïti. C'est ensuite des laboratoires de recherche. Le plus souvent, c'est l'université qui fait des thèses de doctorat et ou bien des spécialistes qui font une étude très pointue sur tracé faille, à moins que ou prenne un bureau d'études ou paye COB pour faire détermination et cartographique. Mais pour le moment, pas de moyens pour nous faire lire. Nous n'avons pas de laboratoire de recherche, nous n'avons pas d'université qui a donné justement à recherche ce type de phénomène. Mais espérons qu'avec le temps, nous avons un spécialiste capable de faire une cartographie exhaustive de toutes les failles qui sont connues en Haïti. Non seulement cartographie failles, bon, grand cartiologique qui montre failles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous abordions failles du point de vue de leur sismicité, de leur degré d'activité. Et ça a demandé une étude spéciale. Alors, et puis ça, tu es au Caï lundi, tu es à 100 km de la ville de Caï? À 100 km au sud de la ville de Caï. Parce que, il y a 100 km au nord de la ville de Caï, c'est sur terre que de la bière, mais si c'est au sud, c'est en la mer que l'île. Donc, c'est en bas au Caï, avec une magnitude de 4,5 et puis à 10 km, 20 km de profondeur, magnitude n'est pas suffisante pour te générer un tsunami. Mais quand même, il faut que nous prenions ça très au sérieux, parce que peut-être que la prochaine fois, si la magnitude est beaucoup plus élevée, ça est capable de générer un tsunami pour zone. Mais nous sommes en fin d'année 2017, et pas trop le Bombardopolis, nous avons épuisé tout, tu es dans la mer. Tu es dans la mer. Et dans la zone Sato, nous avons constaté qu'il y a plusieurs secousses qui sont faites, et puis situé dans la mer, c'est au sud de la presqu'île du Nord-Ouest. Parce que l'on prend Bombardopolis, ce n'est pas une ville côtière. C'est là, au sud du nord, de la presqu'île du Nord-Ouest qui est lié. Mais là, regardez, la mer, presque le Nord-Ouest a baigné par la mer. Mais ça, en bas, donc, il y a des secousses que l'on enregistre assez souvent dans la zone Zato. Donc, si la magnitude est beaucoup plus élevée, supérieure à 6,5, avec une profondeur qui n'est pas trop, très élevée, tout, ça est capable de générer un tsunami, côté que toute côte sud, presque le Nord-Ouest, est capable de baigner par un tsunami. Toute zone Gonaïve, l'Antibonite, est capable de frapper par un tsunami. Si le tremblement de terre est beaucoup plus élevé. Il y a un gars qui s'est passé là parce qu'au fait, tu es bien plus focus sur le nord, qui est information que tu es toujours disponible, tu fais comprendre que c'est surtout le nord qui t'a exposé par rapport avec les tsunamis si tu as tremblé. Mais là, avec le sud lundi, nous, ça a passé. En 2017, là, et dans le nord-ouest, j'en suis précisé là. Bon, c'est parce que faille majeure qui passait dans le nord-là, nous connaissons depuis longtemps. Tout le monde compte de degré d'activité. Et bien, historiquement, c'est des failles qui baillent des tremblements de terre dans le passé. Donc, c'est des failles qu'on a surveillées. Maintenant, avec le réseau de surveillance sismique, là, ça mettait à nu et mes connaissances non, de PIA du point de vue de la sismicité. Donc, c'est des informations qui ont montré qu'en dehors de failles majeures, il y a une série de côtés qui ont tremblé régulièrement, que nous n'avons pas de jambes de mais on était toujours à trembler, comme nous n'avons pas de moyens pour nous faire mesure, il y a une population d'informations, donc nous n'avons pas de connaît. Mais ça m'avait dit que c'est Kounia que nous commençons à bailler problème. Il était toujours là, mais nous ne pas connaître. Donc c'est un bon bagage pour nous-mêmes, du fait que nous sommes capables d'identifier ce sismique et pour nous connaître qu'effectivement, qui zone qui a un problème, et qui zone pour nous renforcer la construction, qui zone pour nous avoir plus sensibilisation et éducation, faire sensibilisation, pour que le jour que le tremblement de terre a une magnitude qui est beaucoup plus élevée, pour nous capables de protéger la population. Mais en 2017, tout le monde songeait le centre, c'était un département qui était dicté par être safe par rapport à la crise sismique, mais en 2017, le centre, tout est gagné, il se pousse par les. Ça veut dire que c'est un pays qui traversait par les failles de tous côtés. Oui, si vous regardez une cardiologie à l'échelle 1 de 150 millièmes, c'est un pays qui est traversé par des failles. Mais j'aime te dire tout à l'heure, toute faille n'est pas active. Ce n'est pas toute faille qui est capable de battre le tremblement de terre. Effectivement, entre deux grandes failles majeures, le Saclan Nord et le Saclan Sud, là, nous avons pensé que Saint-Plan était plus ou moins sécuritaire. D'autant plus que du point de vue historique, Archivio n'a pas rappelé que dans le passé, il y a un gros tremblement de terre qui a affecté le département du Saint-Plan. Il y a un qui a affecté la République dominicaine, la zone Hench, mais partout central, généralement, le plus ou moins sécuritaire, parce qu'il n'y a pas des données vraiment sur les mêmes. Maintenant, le réseau de surveillance sismique permet de nous voir qu'il y a des petits secousses qui sont qui localisées surtout entre tout le monde et le lac de Pélig. Ce qui veut dire que zone Sahara, c'est surtout le sud du plateau central qui est mouvementé, qui a baillé des petits secousses. Est-ce que zone est capable de bailler de grandes secousses de magnitude 6-7, nous ne connaissons pas, parce que sous sismique, il n'y a pas fini d'identifier. Mais quand même, ce n'est pas une zone qui, côté que risque sismique, là, nul. Donc, pas une zone à risque sismique nul en Haïti. Menace la capable moyen, plateau central, et élevé dans le nord et dans le sud. Pour Port-au-Prince, épicentre, dans le côté de l'DE.
Bon, et puis maintenant, tu es à 15 km de Carrefour, au sud de Carrefour, et à 16 km au sud-ouest de Port-au-Prince. Donc, pratiquement presque sous même ligne que l'épicentre tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Donc, il n'est pas tellement loin. Probablement, c'est même Faïdan qui doit rappeler nous que, attention, 12 janvier, je suis frappé. Donc, moi là. Donc, réveillez-nous parce que nous avons un petit peu abdormi. Faïdan de l'Éogane, non? Peut-être. Je ne peux pas affirmer que c'est Faïdan de l'Éogane, mais c'est Faïdan presque du sud-là. Mais nous constatons que. À 15 km de Carrefour, tu as une secousse de magnitude 3.2 qui fait hier. Mardi, parfait. Mais au fait, j'en dis là, et nous pas arrivé à gagner une information claire sur qui faille qui était en mouvement par rapport à tremblement de terre. Parce que faille là, même si vous avez une trace là, vous avez une trace en surface, mais quand il continue en profondeur, il y a un pendage. C'est-à-dire que les penchés en bas. Et c'est en profondeur que tremblement de terre prend naissance. Donc, identifier à 20 km qui côté que le fait, ce n'est pas facile. Parce que nous n'avons pas accès à la profondeur ça. Donc, il faut avoir plus d'informations sur faille là pour qu'on qui pendage li, qui vient fonctionner, qui mécanisme li, qui vient le tracer exactement. Il y a des précisions que nous n'avons pas. Soit les pendages là. Pendage, c'est la direction que faille là prend. Par exemple, si on casse en surface, maintenant, casse là le prolongé en profondeur, il n'est pas vertical. Soit que le pend vers le nord, faire la constat, son plan que lié, soit que le pan vers le nord, soit que le pan vers le sud. Donc c'est ça que nous voulons, le pendage là. Déjà, on a continué de parler dans toute émission de faire de grandes failles, presque du sud là et puis failles nord là, mais au fait, on a fini par comprendre que je t'ai dit tout à l'heure, Pierre Gampil Faye, qui travaille à faire au niveau bureau des mines et énergie pour que nous lui cartographions toutes failles, il y a des informations sur eux, regardez est-ce qu'il est actif ou pas, quand c'est chaleur, il veut dégager par année. Bon, l'encadre étude de microzonage qui était faite pour la région de Port-au-Prince avec Laboratoire National et CNIGS et un bureau français, le BRGM, eh bien, nous identifier un pile faille secondaire que nous ne connaissons pas en cartographie région métropolitaine. Et donc, ça mettait en évidence de nouvelles failles. Et ensuite, il y a des études de géodésie spatiale qui ont fait tout, qui fait sur tout le pays. Et la première série de mesures qui était faite entre 2001 et 2007, c'est après 5 ans qu'on est capable de faire des déploiements de données, parce que la vitesse de déplacement est tellement petite, on va capable de faire un rapport chaque année, c'est chaque 5 ans, pour vraiment à quelle vitesse que faille a déformé. Donc, la première série de mesures qui est faite entre 2001 et 2007, qui était dit que, qui était par vitesse de déplacement, faille majeure, presque du sud et puis le nord. Après le tremblement de terre de janvier, il y a une deuxième série de mesures pour nous dire est-ce que le tremblement de terre a un impact sur la faille. Et pendant 5 ans, entre 2010 et 2015, nous faisons des mesures de GPS qui montrent que la faille continue à déformer, donc l'énergie continue à accumuler, pas grand rien changé. Au contraire, il y a des zones côté que la contrainte a augmenté, il y a des zones côté que la contrainte est diminuée. Et mesure ça surtout mettait en évidence des informations qui montraient que y a une compression entre le nord et le sud et au niveau de la plaine du cul-de-sac, il y a des failles majeures, des failles secondaires que nous identifions, qui sont capables aussi dangereuses que failles principales. Et maintenant, il y a une troisième série de mesures que nous avons entamées depuis l'année dernière avec le financement de National Science Foundation. Et nous avons fait, dans 5 ans encore, nous avons fait des déploiements. Et campagne, ça lui-même, n'est pas seulement concerné failles majeures, il est fait sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y a des zones qui ciblées, qui n'ont pas déjà des mesures, n'a fait mesures, de manière à ce que nous ayons des informations sur l'ensemble du territoire. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont très utiles pour nous-mêmes, qui ont une meilleure connaissance de la sismicité locale. Donc, lorsqu'on donne ça, ou croiser avec informations que le réseau sismique là bas nous, de secousses que n'a pas enregistré, donc ça a une connaissance plus ou moins exhaustive de la sismicité du territoire haïtien. Parce que chaque fois qu'on y a un bulletin sismique, il y a paniqué. C'est une pratique que nous n'avons pas gagné à niveau ça. Bon, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un bulletin météorologique, on y a paniqué? On est habitué avec lui. Et je pense qu'avec le temps, là, on a commencé à habituer avec le bulletin sismique, là, ça ne va pas dire rien encore. C'est tout à fait normal que, bon, terre a secoué là-bas de petites magnitudes. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas de chita sur ça. Il faut que nous connaissions que sismicité a, eh bien, nous ne sommes pas capables de prévoir qui est le gros magnitude de la fête. Donc, il faut que nous prenions des mesures pour nous capables de faire face à ce phénomène. Est-ce que dans l'étude nous avons mené, nous sommes capables de dire que la magnitude nous pas arriver par rapport à ça, nous avons comme faille en Haïti qui traverse le pays? Bien sûr, bien sûr. Parce que la magnitude là dépend de la longueur faille. Plus faille la longue,
c'est plus la déformer, c'est plus la accumuler l'énergie, c'est plus tu es capable de bailler une magnitude qui est élevée. Donc, il y a des longueurs de faille qui n'est pas capable de bailler une magnitude 9. Il y a des longueurs de faille qui n'est pas capable de bailler une magnitude 8. Il y a un, c'est 3, 4 capable de bailler. Donc, au niveau de la presqu'île du Sud, longueur de faille que nous gagnons, heureusement pour nous, ça fait 250 km de long. Ce n'est pas une faille continue, c'est une faille qui est segmentée. Donc, chaque segment, on gagne 40-50 km. Donc, 50 km, ça capable de bailler des magnitudes 7, 7.5, pas plus. Alors que dans le Nord, la longueur de faille est beaucoup plus longue, est capable de bailler des magnitudes 8 et même plus que 8. Donc, oui, à partir de longueur faille, à partir d'études qu'on fait sur faille, à partir de mesures de géodésie spatiale et sismicité historique, à partir de cartographie, on est capable de connaître, on capable de faire prévision sur faille, qui magnitude qu'on est capable de bailler à partir de détails qu'on gagne sur mesure. Si on a des détails sur magnitude et pour épicentre généralement, qui ça fait gagner dans la mer, qui ça fait gagner pas dans la mer? Bon, si faille a passé dans la mer, épicentre là dans la mer. Si faille a passé sur terre, donc épicentre là, ap sur terre. Maintenant, la très difficile, on est capable de dire que faille ça a des possibilités pour le bail de secousse de magnitude 7. Même si on a fait après dépouillement de mesure de GPS en 2007, nous te connaissons ça. Ni pour le nord, ni pour le sud, nous te connaissons qui potentialité faille ça a. Maintenant, localiser épicentre là, c'est très difficile. Imaginez que vous avez une faille de 50 km ou bien 80 km, on va dire que sous 80 km, ça, qui côté que l'épicentre est situé? Extrêmement difficile. Et qui côté que rupture là a fait la faille ça qui a déformé jusqu'à 20-30 km de profondeur? Extrêmement difficile. Donc, prévision capable de faire sur quantité d'énergie capable d'accumuler dans la faille là et qui probabilité de telle magnitude? Seulement ça. Mais épicentre là, jamais. Mais nous regardons lundi les cailles secouées, Port-au-Prince mardi secouées, mardi soir Honduras, Cuba, tu même gars les tsunamis pour pile dans la région, Jamaïque, Porto Rico, Cuba. Et nous déposons des questions, est-ce que vous avez une saison sismique? Mais ça qui fait que Chili, tout Japon, après tout, terre a tremblé tout dimanche soir. Qui ça qui passe qui fait que la terre en mouvement, ce même ça? La terre toujours en mouvement. Pas oublier que tout pays, ça, au système là, tout situé sur une plaque tectonique. Une plaque là, c'est une superficie, une zone rocheuse. C'est l'écorce terrestre là qui est découpée en plusieurs morceaux. Donc, quel que soit le pays qui est sur la Terre, les chita sont plaques. Et les plaques là, elles ont bougé. Il y a des plaques côté que l'une a frappé avec l'autre. Il y a des plaques côté que l'une a écarté l'une de l'autre. Il y a des plaques qui ont glissé l'une sur l'autre. C'est des zones de subduction. Donc, l'écorce terrestre, la planète Terre, sont planète vivante que liée, elle est toujours en mouvement. Donc, puisque l'en mouvement, donc, nous devons attendre à des phénomènes tout à fait naturels. Nous devons attendre à des éruptions volcaniques. Donc, il y a des volcans qui sont en sommeil et puis ils ont réveillé. Nous devons attendre à des tremblements de terre. Nous devons attendre à l'érosion de la surface topographique parce que l'atmosphère là a un impact tout sur l'écorce terrestre là. Donc, si il y a une érosion, il y a une sédimentation, si on est là où il y a des phénomènes météorologiques, il y a des cyclones, donc ça va provoquer inondation, tout ça, ce sont des phénomènes naturels. Or, phénomènes naturels, nous pas capables de contrer, nous ne sommes pas capables empêcher que vous faites, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, ça fait partie de la vie de la planète Terre, du dynamisme de la Terre. Maintenant, connaissant ceci, donc la science étudie phénomène sérieux, longtemps, il était qu'on attribue phénomène sérieux à une volonté divine. C'est bon Dieu qui est en colère, s'il y a l'orage, s'il y a un tonnerre, s'il y a une éruption volcanique, c'est le feu de Vulcain. Donc, il était qu'on attribue bagage sérieux à des divinités. Maintenant, la science suffisamment évolué pour essayer d'expliquer l'origine du phénomène naturel. Donc, nous comprenons, nous sommes sociaux. Et si nous comprenons l'origine, nous comprenons le phénomène, nous sommes capables de prendre des mesures pour nous faire face à nous-mêmes. Et c'est là que les hommes doivent montrer que l'intelligent, puisque le phénomène, la science météo devant nous, ils comprennent. Donc, qui mesure que nous apprenons pour nous pas victimes de la fête, parce qu'il y a toujours fête, c'est nous-mêmes pour qui prenons des mesures pour nous protéger de tête. Ça veut dire, ingénieur Petit, c'est une simple coïncidence que tu as tremblé parce que tout le pays ça a un seul coup, un seul jour. Grande étude, oui, oui. Grande étude statistique que je fais au cours des 17 dernières années, entre 2000 et 2017, je regarde des statistiques mondiales pour le tremblement de terre qui montraient que entre des magnitudes variant de 5, jusqu'à 8 et même plus que 8, chaque année, en moyenne, il y a près de 1900 tremblements de terre qui sont faits. Des tremblements de terre qui sont capables de tuer les gens. 1900. On dit moyenne. Ça veut dire que
sont capables de gagner moins dans l'année. Ils sont capables de gagner plus que 2000 tremblements de terre par an qui sont capables de tuer les gens. Et le tremblement de terre qui est inférieur à magnitude 5 est encore beaucoup plus important en nombre que le tremblement de terre qui est capable de tuer les gens. Parce que plus on descend la échelle de Richter, là, magnitude 4, 3, plus nos blancs élevés. Mais nous étions seulement entre 5 et 8, 1900 par année à travers le monde. Donc c'est quelque chose. Non, mais en fait, on dit qu'il a tué les gens. Est-ce que c'est quelle magnitude là qui a fait tuer les gens ou bien c'est quand c'était tant le fait qu'il a fait tuer les gens? Non, magnitude là, plus magnitude là élevée, c'est plus libérer l'énergie, c'est plus impact là, la zone épicentrale là, a beaucoup plus forte. Maintenant, on sismique là, côté que le tremblement de terre pour la rupture là, dans la fonte, il y a des ondes qui sont en bas terre qui montent en surface. Il y a trois catégories d'ondes. Il y a la première onde là, c'est onde primaire, qui est onde de compression. Lorsqu'il en surface, il prend carré là, levé dans l'aile, descend. Il levé, il descend. C'est onde de compression. Il est moins dangereuse. Et quelques secondes plus tard, il y a une deuxième onde qui arrive, qui est une onde de cisaillement, côté que le balance est là à droite et à gauche. Et quelques ondes sont plus dangereuses que l'onde primaire. Là. Et il y a une troisième onde, quelques secondes encore qui arrive, qui est une onde de torsion, qui prend des torts des cailles. Donc, j'ai bien vu ça. Nous, quel que soit le tremblement de terre, il y a toujours trois types de ondes. Nous vivons de janvier tous les trois types de ondes. Et ça fait que nous sommes capables de sentir une secousse, et puis un petit arrêt. Quelques secondes après, elle retourne en intensité. Quelques secondes après, après, le retourner encore en intensité, puis gagner. Maintenant, on dit, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent tuer les gens. Parce que si on l'on désert, même si on prend une magnitude 9, pas de monde qui va mourir. Parce que on n'est pas capable de tuer ou capable peut-être déséquilibrer ou de tomber, mon pas mourir. Mais si on est dans une caille qui est mal faite, qui est mal construite, on est il peut agir sur la construction. On de compression peut agir directement sur le poteau. Si le poteau est mal fait, il est mal ferraillé, yon mal bétonné, eh bien, on, premier onde là, l'a cassé pour toi, côté que le fait jonction avec dalla, et puis dalla avec toi, avec plancher à fond seul, sous l'amitant, ou tout là. Deuxième onde là, admettons que Kaiwa lui résiste, pour toi résister, mais le Kaiwa l'a balancé à droite et à gauche, c'est mur qui a impacté. Sous gain de grande portée, le mur a yon, ou pas gain yon poutre, pour qu'il contrevente et mur ça. Eh bien, mur a tombé. Et ensuite, onde de torsion lui-même, capable directement sur fondation, qui virait Kaela, de côté que Kaela parle pivoté sur lui-même. Donc, tout onde ça a parle des impacts très négatifs sur la construction. Maintenant, si la construction ça a, ou pas tenu compte de dynamisme, ça a, eh bien, l'a tombé. Parce que justement, la faculté, nous, la école de génie, nous, ils ont montré ingénieur, ils fait calcul, c'est plus statique qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, nous construit caille, nous considérons uniquement vent comme ou bas externe, mais nous pas intégré dans le calcul dynamisme terre. C'est ça qui peut révolutionner la construction en termes de construction parasismique. Donc, nos constructions parasismiques sont constructions qui tiennent compte justement de dynamisme. Donc, ce qui de mouvement et autres. Donc, ils ont intégré dans le calcul le mouvement de compression, de cisaillement, de torsion. Donc, il y a des dispositions constructives qui font pour que le onsayo en mouvement, eh bien, Kaila n'est pas effondré sur le monde. Kaila est capable d'affecter, il est capable de fissurer. Mais, ou sûr et certain, même si on a dormi dans Kaila, bien, si Kaila n'est pas sismique, il n'est pas effondré, il n'est pas tué. Après ce coup-là, on est capable de sortir dehors, mon pape mourir. Alors, vous dites alors, on a des airs, mais est-ce que ça va arriver, dépendamment de Jean Tremblement IA, que Koto IA habite à l'ouvrir, non? Bon, il y a des magnitudes qui agissent tout sur l'environnement. Bon, il n'est pas ouvert, parce que c'est dans le film cinéma nous, que Terre a ouvert, c'est pour capter l'imagination, mais en réalité, le tremblement de terre n'est pas ouvert, terre, et puis on a tombé la dernière. Non, ça ne se fait pas. Si on rupture de faille, il y a trois façons pour faire la fonctionner. Soit que il y a un décrochement, côté que deux blocs glissent l'un par rapport à l'autre, soit que il y a un qui monte par rapport à l'autre, soit que il y a un qui descend. Donc, ce sont cassures qui fait au long de faille. Maintenant, dépendamment du type de sol là, capable de faire des ouvertures très ponctuelles, mais le tremblement de terre n'a pas provoqué vraiment une ouverture de sol là, et que tout le bagarre englouti. C'est dans le cinéma seulement que ça vous fait. Parfait. Maintenant, si une magnitude qui a peut-être 3-4 et puis durer plus que 50 secondes, est-ce qu'il ne va pas être dangereux tout? Il n'est pas possible. Aux magnitudes de 3-4, il n'est pas suffisamment forte pour durer. Parce que y a une relation entre magnitude et durée. Enfin. C'est une magnitude 8 qui est capable de durer peut-être une minute. Plus magnitude élevée, c'est plus énergie qui est libérée. Donc c'est plus tremblement de terre pour durer.
Et plus le tremblement de terre pral durer, c'est plus caille qui en surface yo pral affecté. Donc une magnitude 4 pas durer pile temps, c'est quelques secondes, des fractions de secondes. Ensuite, il pas dissiper en pile d'énergie. Il pas capable tout détruire un bâtiment. Donc on va juste sentir une légère secousse, mais c'est des magnitudes qui pas dangereuse. Danger dans la magnitude là commencer à partir de magnitude 6. Et comme en Haïti, construction n'est pas trop solide, à partir de 6, eh bien, caille est capable de commencer à tomber. Parce que vous comparez la magnitude 6 à l'énergie d'une bombe atomique. Parfait. Ah bon? Oui. C'est une bombe atomique. Maintenant, magnitude 7 là, nous passons à un degré supérieur. À chaque fois, dans l'échelle de Richter, là, on passe à une magnitude, un degré supérieur, énergie pour le multiplier par 30. Donc, entre 6 et 7, c'est 1 degré seulement, mais en termes d'énergie qu'a libéré, entre 6 et 7, c'est 30 fois plus d'énergie que 6 là. Est-ce que je veux dire, nous connaissons toute faille qui est active en Haïti? Non, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que son connaissance que nous faisons commencer à gagner à partir de mesures de géodésie spatiale, à partir de surveillance sismique. Ensuite, il y a une cartographie qui a fait tout. Par exemple, avec le PNUD, il y a une cartographie multirisque qui est faite au niveau de la grandasse. Donc, sur 12 communes, il y a 6 communes qui étudient multirisque. L'un dit multirisque, ça veut dire que vous faites étude de tremblement de terre, inondation, mouvement de terrain, glissement, tout bagaille. Maintenant, la partie séisme, il y a identifié de nouvelles failles que nous ne connaissons pas, et qui traversent toute partie nord de la grandasse. Il y a des failles qui sont sur terre, il y a des failles qui sont en mer. Et ils ont étudié le degré d'activité faille, ça donc sur connaissance que nous n'avons pas gagné. Parce que pour grandasse là, nous plus connaît faille presqu'île du sud là qui est majeure, qui est sortie dans le point de Tiburon. Mais maintenant, au nord de Tiburon jusqu'à Jérémy, il y a un paquet de failles qui mettent en évidence à partir de l'étude ça. Et il y a une étude qui parle commencer pour le département du nord-ouest et Gaumont. Donc, dans le cas d'étude ça, donc nous parlons cartographier toutes nouvelles failles que nous identifions. Donc, c'est au fur et à mesure que l'étude a fait, département par département, n'a pas mis en évidence les structures sismogéniques, n'a pas mis en évidence les zones où l'on peut avoir des glissements de terrain, des zones inondables. Et donc, c'est des cartographies multirisques. Donc, nous commençons à maîtriser les menaces naturelles là, du point de vue, c'est en amont, du point de vue scientifique, du point de vue technique. Maintenant, ces informations, ces données-là, ces cartographies, il faut que nous transformions en documents opérationnels. Il faut que nous transformions en des règlements opposables aux tiers pour que les communes, les maires, aient des informations pour être capables maintenant de prendre des mesures pour protéger la population qui vit dans nos communes. Donc c'est ça l'objectif cartographie multirisque. C'est pas une information préventive. Une information qui dit maire là, la commune ça, ou bien le département ça, même côté gain danger. Même côté que sous sismique situé. Même côté où capable de faire des glissements de terrain. Mais des zones inondables. Mais des zones côté capable de tsunami. Maintenant, dans le cadre du aménagement du territoire, ou bien, ou maire qui a bâillé un permis de construction, mais il y a un monde qui demande un permis pour mettre un terrain tel côté, pour faire construction tel côté. Donc, maire là, il y a un outil pour dire que, attention, terrain ça, vous pouvez le construire sous lui, mais problème qui est dans la zone. Donc, vous pas capable de construire là, parce que zone ça, c'est une zone qui est inconstructible, pas de trop forte. Donc, vaut mieux que l'autre côté encore. Ou bien, on est d'accord pour construire, mais type de prévention, de protection qu'on doit faire dans la zone. Ou bien encore carrément, il y a des zones non communes qui doivent en rouge, interdiction de construire. Maintenant, est-ce que magistrat a une autorité nécessaire pour dire au monde ou pas construire là et respecter le? Donc tout ça, il y a une mentalité pour changer tout, pour que si vous voulez préserver la vie contre les menaces naturelles, il y a un effort qui a fait pour que vous identifiez les menaces, mais il faut un effort qui fait au niveau des décideurs pour prendre des mesures pour protéger la population. Et un effort pour qu'ils fassent au niveau de la population pour respecter leur autorité. Dieu que pas gain doit faire ça pour pas faire effectivement. Parce que espace-là, nous l'utilisons de n'importe quelle manière. Nous mal utilisons. Et c'est leur utiliser espace-là de très mauvaise façon, leur faire de très mauvaises constructions que nous sommes victimes. Donc la vie, c'est un bien précieux. Donc autorité est là pour protéger les vies et les biens, pour protéger l'infrastructure. Lorsqu'on fait une route, ou fait un pont, ou fait un port, eh bien, c'est un investissement que lié. Donc c'est le développement durable. Il ne faut pas que les menaces naturelles ça hypothéquent tout effort de développement qu'a fait, quel que soit le gouvernement qui vient, il a fait un effort pour nous développer le pays. Mais attention, les menaces naturelles peuvent nous... C'est bas qu'il a fait nous faire. Regardez Mathieu, regardez le tremblement de terre de janvier.
Donc, il était dépassé en termes d'évaluation, 120% du PIB. Donc, son bac qu'on fait. Donc, ça a hypothéqué tout effort de développement. Donc, il faut que nous intégrions toute information ça, dans toute politique de développement pour que là, ça arrive, pour ne pas faire trois gros bacs, pour que nous ayons un pays qui est résilient. Nous avons un grand effort de microzonage qui a fait depuis après 12 janvier 2010. Est-ce que le document ça est accessible? Tu as parlé tout à l'heure de collectivité. Est-ce que ma mairie a un document ça comme outil qui pourrait aller de décider par rapport à qui côté pour nous construire, qui côté pour ne pas construire, monsieur Petit? Le document ça a fait une fête, il y a une remise officielle qui est faite aux autorités locales. Parce que c'est pour eux que le fait, c'est pas pour nous-mêmes, techniciens. Et t'es qu'on cérémonie qui était faite la cette convention de la BAH, côté que nous avons invité toute mairie qui était concernée par l'étude de microzonage là, et t'es qu'on remise officielle qui était faite par le ministre des Travaux publics à Meyersal. Donc c'est des gros documents, et il y a des documents de synthèse qui fait tout. Et nous connaissons que c'est des documents qui sont très techniques, et qu'on ne doit pas avoir les compétences nécessaires pour les mettre en application, mais institutions techniques là pour encadrer yo, pour dire exactement qui vient pour appliquer yo. Maintenant, il faut nous passer la prochaine étape, c'est transformer documents sérieux en règlement opposable aux tiers, qui est très facilement accessible par les décideurs locaux pour ou cartographie qui dit que zone ça c'est en rouge que lié, zone ça c'est en jaune, zone ça c'est en vert, pas de problème. Donc la plus facile pour qu'ils prennent la décision. Mais documents ça, tout le remettre à l'autorité locale. Parce que, de toute manière, il y a un génie municipal. Et c'est le job municipal, là, dans le génie municipal à niveau voilà, ça. Voilà, maintenant c'est le génie municipal là qui mérite renforcer. Parce que le plus souvent, façon que vous recrutez ingénieurs dans le génie municipal, yo, ça fait de manière fantaisiste. Donc, vous devez faire par voie de concours et ce sont les plus compétents qui devraient faire partie du génie municipal parce que son service qui est extrêmement important dans la mairie. C'est eux-mêmes qui ont analysé le plan et bah, ont permis un droit pour construire. Ce n'est pas doué un acte purement commercial pour payer taxes là pour finir. Il faut que l'ingénieur soit capable d'analyser le plan pour voir que, dépendamment de zone, le type de sol qu'on gagne, est-ce que le plan est fait en fonction de paramètres qui gagnent dans la zone. Et même si le plan est bien fait, l'opéral met en exécution. Si pas de contrôle, ça qu'a fait sous terrain tout, ben c'est laver monsieur la tête. Parce qu'on est capable de un bon plan, calcul de bien fait, puis mise en œuvre là, il va faire déjà pour le tafet là. Parce que l'ingénieur n'a pas de temps pour le contrôler les chantiers. Faire yo mal ferraillé, dosage béton mal fait. Donc il faut que le suivi a fait depuis l'analyse plan jusqu'à ce que la construction finit. Et à chaque étape, tu dois gagner une autorisation qui fournit par la mairie. Après contrôle. Donc une fois que tout bagage est correct, il y a autorisation pour passer dans l'autre étape là. Lorsqu'il fait fondation, pour camper, il analyse est-ce que fondation est correcte, il répond à toutes les normes. Si c'est correct, on passe à l'étape suivante. On met le poteau. Poteau fin coulé, il campe, il contrôle. Ensuite, on coule les dalles. Dalles fin coulé, nous contrôle. Le cas est fini net, il y a capable de client ou bien mon propriétaire Kaila autorisé à entrer dans Kaila parce que toute bagarre est contrôlée depuis fondation jusqu'à dalle. À ce moment-là, son contrôle effectif qui fait. Mais là, mon apporté plan, la mairie, et puis regardez, il dit plan bon, et pour payer, et puis personne ne connaît exactement qui gens que et mise en œuvre la fête. Donc, on va avoir information vraiment sur Kaila. Ah, mais fois, c'est tombeau que nous construit. Bon, le plus souvent en Haïti, le Napfonka, c'est propre tombeau que nous faisons. Et nous restons le 2 janvier. Donc, c'est bien malheureux. Donc, il y a une façon pour nous éviter que Kayo tombe sur nous. Et ça va coûter plus cher hein, que aux constructions conventionnelles. Il suffit qu'on prenne dès le départ au niveau du plan, depuis que l'architecte a fait plan, on considère plan parasismique, calcul la parasismique, mise en œuvre la bien faite. Eh bien, ça a diminué un peu les morts, le gain de tremblement de terre. Est-ce que le microzonage a concerné, je veux dire, à tout pays, ou bien des zones jusqu'à présent pour gagner et réalité sismique? Non, ce microzonage qui était fait d'abord pour le centre-ville de Port-au-Prince. Parce que à l'époque, le hôtel lancé étude là, c'était dans l'objectif de la reconstruction. Parce que nous étions étonnés que toute caille a été écrasée dans le centre-ville là, et nous dit que nous pas capables de reconstruire Port-au-Prince. Sans que ou pas lever doute là pour qu'on ait qui s'acte à la base de toute destruction ça. Et étude de microzonage là a révélé que ces types de sol que nous gagnons dans le centre-ville là, ce sont des sédiments qui sont très mous. Et même si l'épicentre était à 25 km de Port-au-Prince, ça montrait que le onde sismique arrivé dans le type de sol ça, et bien onde l'a piégé, l'a amplifié ce secousse là,
et puis un pile qui est tombé par effet de site géologique ou bien effet de site topographique. Donc, microzonage là, il y a des spectres de dimensionnement qui permettent que l'ingénieur connaît qui est capable d'harmoniser construction au étage, deux étages, trois étages, avec type de sol pour que Kaila ne pas entrer en résonance avec sol. Donc, il y a toute information. Donc, ça a été fait au départ pour Port-au-Prince. Donc, c'est un microzonage qui était couvert à peu près 80 km². Mm-hmm. Et on a vu une partie de la commune de Port-au-Prince, une partie de la commune de Pétionville, toute la commune de Delmar, de Cité-Soleil et Tabar. Donc, toute la donne. Mais gros microzonage tout qui fait dans le nord par anticipation, puisque le nord, c'est une zone aristo. Donc, microzonage l'a fait pour la ville du Cap-Haïtien, jusqu'à Quartier Morin. L'a fait pour la ville de Port-de-Paix, de Saint-Louis-du-Nord, de Fort-Liberté et de Wanamette. Donc, pour les trois départements, quatre grandes villes, ça y est, eh bien, microzonage l'a fait tout. Donc, information disponible pour ingénieurs. Donc, toute nouvelle construction qu'a faite là, grande ville, ça y est, est capable de faire suivant étude microzonage là et construction, ça y est, il a résisté. Quel que soit le tremblement de terre qui fait. Il est capable de fissurer, il est capable d'affecter, mais il n'est pas effondré dans la mesure où il a appliqué les recommandations qu'il a étude de microzonage. Huit ans après, qu'est-ce que ça constate, je veux dire? Bon, constat, c'est qu'effectivement, nous avons confirmation que nous vivons dans un pays côté que le risque sismique est élevé, le pays a traversé par des failles actives. Donc, nous avons pile de secousses que nous avons enregistré régulièrement. Donc, là, il y a un pas qui fait au niveau de la connaissance de la sismicité. Grand petit pas qui fait tout au niveau de l'information, au niveau de l'éducation, il y a une pile conférence, il y a une pile formation qui baille tout pour la construction parasismique, pour les ingénieurs, il y a une pile ingénieurs qui formés, il y a une pile contre-maître, il y a une pile boss maçon qui formés. Nous ne sommes pas capables de dire que nous généralisons l'ensemble du pays, mais il y a commencé à une masse de monde qui formé. Maintenant, côté que nous pas avancé du tout, c'est au niveau des mesures. Parce que si vous voulez vraiment réduire vulnérabilité population et vulnérabilité infrastructure, c'est prendre des mesures pour que les recommandations qui leur apportent technique viennent des lois, des règlements qui opposent à aboutir. Et si vous ne pas suivre le règlement, ça, vous avez des sanctions capables de prendre pour vous-même. Sanctions pour ingénieurs, sanctions pour contre-mettre, cap construire sans plan, sanctions si vous ne pas respecter le règlement et tout. Donc, si pas de sanction. C'est sur le génie municipal là, tout. Pour le génie municipal qui, là. Qui autorisation donc, l'important, lorsque une catastrophe, il faut qu'elle tombe. Il faut qu'on enquête pour déterminer les causes là. Est-ce que le problème là, c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est au niveau ingénieur? Est-ce que c'est au niveau construction? Est-ce que c'est au niveau matériaux? Est-ce que c'est au niveau de boss là? Donc, il faut que dégager qui côté que responsabilité a sorti. Et une fois que l'enquête là dit qui est ce qui est responsable, qui fait que elle a tombé, pour qu'il y ait tant de monde qui mourit. Parce que quand elle a été mal faite, il y a une responsabilité quelque part. Si c'est un ingénieur qui était fautif, qui était mal fait plan, qui était mal fait calcul, il y a des sanctions pour qu'il applique contre lui-même. Il faut être capable de retirer la licence pour ne pas faire un deuxième cas encore pour le tuer le monde. Ce n'est pas des tombeaux pour le construire. Donc, c'est une enquête pour qu'il mène, pour qu'il dégage la responsabilité. Et une fois que la responsabilité est partagée, vous mettez au côté plus haut, eh bien, quand il y a un monde à prendre précaution, on va construire. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi dans le pays. Même si j'étais PTC après 12 janvier, tu as marché marqué quand tu étais démoli, quand tu étais reconstruit, quand peut-être tu as deux, trois, il faut te consolider basio. Mais finalement, 8 ans après. Bon, si on mesure qui te prend, pas oublier que la population est dans la rue. Il n'y a pas de connaissance si pour être en train de faire. Donc, mesure ça vient de prendre, l'homme était vert, il dit que Kaï n'a pas affecté. Donc, le monde qui est dans la rue, il était vert sous Kaï, ou capable d'entrer là-dedans. Donc, quitter la rue. Si c'est jaune, je ne dois pas entrer, réparer l'avant. Mais si c'est rouge, je ne dois pas entrer, reconstruire. C'était ça l'objectif. Et même travail a fait tout dans le nord, par anticipation, qui dit que si même tremblement de terre 7 mai 1842 a passé, qui caille qui a pété vert sur eux, qui caille qui a pété jaune, qui caille qui a pété rouge. Est-ce que tu as fait travailler ça déjà? Bien sûr, il fait pour le grand nord. Qui suivit que fait, Kounia? Bon, maintenant, et ça a montré un résultat catastrophique. Hein? Sur 95 000 bâtiments qui sont évalués dans le Grand Nord, eh bien, plus de la moitié a pas affecté. Plus de 10% de la population a victime. Donc, il y a près de 25 000 cailles qui en rouge, qui ont crasé, et les gens qui sont en bâtiment sérieux, ils ont mouru. Donc, c'est une évaluation qui est faite dans le cadre du plan séisme Nord. Les résultats sont là. Donc, maintenant, à nous d'agir pour pouvoir contrer tout ceci. Pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, parce que ce n'est pas pour rien que l'étude l'a faite. Information disponible, maintenant il faut agir. Pour agir, il faut des actions.
même si ça n'a pas fait population content. Mm-hmm. Parce que c'est des mesures qui peut-être allaient à l'encontre économie mounan, ou dit mounan que désormais, on n'est pas capable d'être là encore, il faut déplacer, il faut balayer l'autre zone pour le construire, et que Kaiwal pas bon, s'il méritait démolir, il a démolir. Donc, c'est des bagages qui ont affecté la population. Donc, ce n'est pas des mesures populaires qui ont pied. Mais gros choix pour nous faire. Est-ce que nous avons quitté Bagayoua, les gens qui ont allé, nous avons bidonvillisé l'espace, Fatra, population a déplacé, une forte concentration de population dans les villes, et plus espace la gen moun qui habite là-dedans, c'est plus population qui est vulnérable. Est-ce que nous avons mis l'ordre, le chaos, le désordre, pour nous capables de limiter les dégâts? Ou bien est-ce que nous avons continué à faire mon plaisir, nous avons bouché les yeux, nous, et puis nous avons dit, bon, fais ça nous voulons, et puis payer à lui-même, il peut aller, et puis le gain catastrophe, il a dit que c'est faute l'État. Donc il faut que mon commence à assumer les responsabilités. Par exemple, au niveau du Nord, je dis, il y a déjà gagné information qui baille, il y a des données qui sont disponibles, maintenant c'est aux autorités de prendre des décisions. Il faut que l'autorité assume les responsabilités, parce que la loi est là, il faut appliquer la loi. Nous ne sommes pas capables de vivre en jungle. Côté que le monde décide de construire, selon Ravine, il dit qu'il n'y a pas de moyens, sont dégagés que lié, puis il lit Ravine, il fait deux pièces. Et puis le droit descend, là avec lui, il dit que c'est l'État qui est responsable. Et là, l'État lui-même, autorité, a pris une décision pour retirer mon nom des ravines, il y a une manifestation qui est faite. Ouais. Je dis que c'est malheureux que lié. Non. Il faut que nous commencions à appliquer le règlement. C'est ça, les règles de la démocratie. Démocratie, c'est la dictature de la loi. C'est clair. Donc, s'il y a des règlements, s'il y a des lois, il faut que nous commencions à appliquer le règlement. Il faut que nous astreignions à sa tour à règlement. Il faut respecter l'autorité dit que ou pas capable de construire là. Ou qu'on prête plus que 30%. On va capable mettre au caille sous lui. Parce que le caille n'est capable de glisser. N'importe qui secousse, on va besoin de magnitude 7. N'importe 5 rivets, la glisser. Et au fond, il y a là. Tout le monde qui était province, c'est pas tout presque, il vient dégager. L'anti-caille de 3 ou pièces, 2 pièces, on va avoir une dizaine de monde en donne. Et si ça fait la nuit, tout le monde va mourir. La faute revient à qui? À monde qui était autorisé que le monde vienne là. Parce que son zone, qu'on pas de construire la donne. Maintenant, et pour le faire mon plaisir, pour éviter manifestation, quittez mon nom, nous fermez les yeux. Car il y a deux, trois votes. La politique de l'autruche. Donc, mon électorat, je ne peux pas déplaire l'électorat, il faut que je quitte le faire saler. Non, ce n'est pas ça. Il faut que nous vivions dans un pays qui est responsable. Il faut que l'autorité, bon, on poste nos responsabilités, eh bien, prenez responsabilité. Oui, que la population fâchée, que le pas fâchée, ou bien, ou fait travail pour là. Quand j'ai occupé l'espace là, vraiment, et laisser à désirer. Bon, le regard des espaces, j'en ai utilisé, a fait de l'aménagement du territoire, ça n'a pas existé en Haïti, des bidonvilles un peu partout, regardez ça qui a passé. Bon, tremblement de terre 12 janvier arrivé. Tout ce tremblement de terre qui mettait à nu, faiblesse, non, faiblesse institutionnelle, faiblesse au niveau de la construction, faiblesse au niveau de l'aménagement du territoire. Et puis le monde a dit que désormais, ça va priver encore, nous allons prendre des mesures. Mais tremblement de terre 12 janvier, accouché canard. Absolument. C'est une anomalie. Au lieu que nous corrigions ce qui n'est pas de bon, eh bien, il y a l'autre bagaille, chaotique, qui vient former encore. Parce que l'autre paraît sur route 9 là, en face canard, vous regardez moi, non. Bon, c'est un désastre. Est-ce qu'on est capable de continuer comme ça? C'est-à-dire qu'un pays, et puis la population augmente chaque année. Pas une politique démographique pour dire que pour qu'il stoppe nos habitants. En 50 ans, population doublée. En 2030, on prévoit 16 millions d'habitants. Et malheureusement, la richesse n'est pas créée. Capital, Port-au-Prince, longtemps, infrastructure capitale, c'était pour 500 000 habitants, 1 million. Qu'on a noir 4 millions d'habitants. Qui côté quoi mettre Kaisa encore? Pas d'espace encore pour nous construire dans la zone Port-au-Prince. Qu'on a assez en hauteur. Maintenant, en hauteur, est-ce que nous respectons nos mieux? Parce qu'il y a des terrains qui ne sont pas capables de prendre des maisons de plusieurs étages. Donc, c'est la loi pour qui réglemente ça. Et si nous ne prenons pas prendre responsabilité, non, ça m'a insisté un peu là-dedans. Ça arrive là qu'on est en Haïti, c'est parce que nous ne prenons pas prendre responsabilité. Il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Et il faut que nous ayons courage pour prendre choix. Même si vous ne parlez, faire manifestation, eh bien, c'est pour votre bien. Parce que la loi oblige ou protéger les gens même contre lui-même. Il y a des gens qui sont en danger, sous pas porter l'assistance ou coupable. Donc nous-mêmes qui avons connaissance là, nous-mêmes qui avons le privilège de jouer des bagailles en tant qu'autorité, eh bien la loi existait. Ou bien attribution, eh bien appliquer attribution. Tu es un guide de construction, quoi, un laboratoire national, tu as fait promotion pour lui. Après 12 janvier, il y a un guide de construction pour les petits bâtiments en maçonnerie chaînée.
Parce que tu as constaté que trois cas construction, ce n'est pas de grandes constructions, c'est des contre-maîtres, des bosses qui font. Donc, il y a une bonne instruction avec des dessins qui sont capables de faire une construction parasismique à peu de frais. Et très facile, qui est très illustré. Donc, documentation existait. Ensuite, il y a un code national qui vient de faire après, en 2012, pour les grands bâtiments. Donc, règlement existait. La donnée, là, c'est qui ça ne paraît. Maintenant, est-ce que la loi tout dit que le règlement ça est obligatoire? Donc, le Parlement a un rôle pour jouer tout. Parce que l'homme n'a pas une force de loi. Il y a un document qui sorti qui dit que mais qui ont de construit. Maintenant, qu'on respecte ou qu'on pas respecte, ça revient au même. Pas de sanction. Parce que le pas assujetti à une loi. Eh bien, on n'est pas capable d'appliquer. Il faut qu'il y ait des règlements, qu'il y ait des circulaires. Il faut que la loi corrige tout règlement ça pour dire que si on pas respecte la loi, on est capable d'aller la justice pour accuser moun qui fautif là. Mais si ce n'est pas une loi que lié, si son bail que vous capable d'appliquer ou bien pas appliquer souvent volonté, nous n'avons pas besoin vraiment de résoudre le problème. C'est ça, et en plus, fois, tout le monde connaît peut-être la vision sacrée des choses. Quoi, que, bon, là, il y a une loi, il y a un bon Dieu. Bon, affaire de bon Dieu, bon, nous payons ça très cher. Donc, bon Dieu, bon pour tout le monde, pas pour Haïtien seulement. Ce n'est pas bon Dieu qui dit qu'au Japon, eh bien, chaque deux mois, trois mois, on goûte le ventre à 19, et pourtant, il y a plus de monde qui mourit. Donc, est-ce que bon Dieu, le parrain, mais Japon, donc le Japon a secoué toute la journée, est-ce que de l'autre côté, c'est le même Japon qui fait que le Japon n'est pas mort dans le tremblement de terre? Non. Tout simplement, la science dit que le Japon est situé dans quatre plaques tectoniques, donc la bougé. Donc, tout Japonais connaît qu'il y a vivre dans le pays sismique. Je prends des mesures. Magnitude 8, rivée, 9 rivée. Que c'est sur terre, que c'est dans la mer, que c'est le tsunami, il y a très peu de monde qui mourit parce que ils ont formé et ils ont monté en hauteur. C'est de gros gratte-ciel qu'ils ont fait. Et il y a des histoires qu'ils ont racontées. Moi, je suis même allé étudier au Japon, dans la salle de classe là, et puis il y a un gros tremblement de terre qui fait. Et puis tout le monde dans la salle, la chita, pas de panique, pas de courir, pas de sauter en haut, là, en bas. Le professeur a campé, et puis une fois que ce coup est fini, le professeur a continué à faire cool. Normalement. Voilà, il y a une culture du risque. Donc il y a une culture là. Mais en Haïti, on va dire comme ça, t'as fait là. Bon, c'est la panique. Maman petite, saute de yo, elle cherche Timon à l'école, ben, ou pas doué prendre la rue après tremblement de terre. Timon dans l'école, ou su que l'école qu'il y a, eh bien, l'école l'a bien faite, les papes tombent sur Timon. Côté Timon, il y a en sécurité. Et c'est la problème, non? Maintenant, l'école n'est pas en sécurité, vrai. C'est ça. Et maman petite, yo, il y a raison. Parce que par contre, dans quel état que l'école qui a Timon, dans quel état que lié? Est-ce que Timon n'est pas victime? Est-ce que l'école n'a pas tombé sur Timon? Donc, il faut que nous changions ça. Nous ne sommes pas capables de continuer. 8 ans après, tu dois avoir suffisamment de leçons qui t'apprennent, qui montrent que tout bâtiment, ça, toute l'école, ça, si tu es fait la journée, tu as bien plus d'élèves de l'école qui mourent, l'hôpital qui mourit, un centre de santé, tout bâtiment public nous est écrasé. Donc, il y a une reconstruction ministérielle. Est-ce que vous bien fait? Il n'y a pas tué les gens. Donc, nous devons tirer le son de ce qui est passé le 2 janvier pour que ça ne soit pas fait encore. Mettez jouer nous à terre, battre l'estomac nous, et que si toute victime ça a été faite, c'est parce que nous sommes en cause, nous ne pouvons pas mettre devoir nous au propre. Donc il faut que nous prenions responsabilité nous, pour nous changer les choses. Mais 8 ans après, est-ce que vous êtes sur route pour nous prendre responsabilité ça, pour que n'importe qui le théâtre, si nous avons le 12 janvier pour ne pas avoir autant de victimes, ingénieur Claude Petit. Nous n'avons pas autant de victimes parce que vraiment, nous pouvons vraiment assumer la responsabilité ça. Mm-hmm. Ça prend temps. Il y a des gens qui assument, je ne vais pas généraliser, parce que je ne vais pas généraliser. Il y a des gens qui assument. Si vous regardez dans l'école qui construit, surtout l'école congréganition, vous regardez, c'est des bâtiments préfabriqués. Donc, il y a des gens qui ont petit tout dans l'école, ça, eh bien, si vous avez un tremblement, vous besoin de craindre parce que les gens n'ont pas gagné. Il y a des côtés, il y a la fête. Mais il ne faut pas sélectif. Il faut que les général. Il faut que si vous avez un tremblement 7 qui fait demain, eh bien, au niveau du pays, quel que soit le côté que le tremblement a fait, nous sommes capables de dire que le nombre de victimes n'est pas foutu dépasser 50, n'est pas foutu dépasser 100. Parce qu'on a fait une fois, si voisin à côté a fait un peu de fois, le 12 janvier, il y a un problème, c'est qu'à côté a tombé sur. Responsabilité est à la fois individuelle et collective. Alors tout le monde attend que c'est l'État. Mais simple citoyen, tout, il y a une responsabilité là-dedans. On ne peut pas dire qu'on a investi un cob qu'on gagne, ou suyer pour faire cob là, ou vous voulez construire un caille. Et puis, vous voulez faire carrière à n'importe qui, gens, c'est ton beau qu'on fait. Première décision, premier choix, c'est vous-même en tant que citoyen qui a construit carrière là. Eh bien, vous voulez arrêter l'encaille, si vous êtes en terre, pour ne pas perdre l'investissement, pour ne pas tuer petit, pas tuer madame, moi, pas tuer le monde qui est dans carrière là. Donc, ou un jour pour que carrière soit bien faite. Mais si vous dites ingénieur, mon cher, levez mon sous-ciment, levez mon sous-fer,
suis pas d'accord de vous, bon, trop fait, trop ciment. Bon, je suis n'importe qui, Jean. Eh bien, mon citoyen, ça pas assumé responsabilité. Il n'a pas tiré le leçon de 12 janvier. Il faut que le leçon tiré par tout le monde, simple citoyen, voisin, l'État, à tous les niveaux, il faut que responsabilité a assumé. Et si chaque monde applique ça pour appliquer, on a un bon pays qui a changé. Mais ça qui est clair, c'est que terre a qu'à trembler n'importe qui l'a. Parce que la ville sont terre qui, en fait, qui traversent par plusieurs failles. Et nous ne sommes pas capables de dire qui l'a que a bien goûté le monde. Jusqu'à présent, c'est tout ce coup qu'on a dit, bon, ça fait mon sourire. Ah bon, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tout le monde va qu'à l'occupation. Mais où l'a, le pape 3, le pape 4, où l'a le capable 7, le capable 7.5. Il a fait mal. Maintenant, pour ne pas faire mal, il faut que nous prenions des mesures. Il faut que nous assumions les responsabilités. Et au clair, ce bon spot très célèbre qui passe sur un pile radio qui dit tremblement de terre pas en fatalité. C'est pas répondre pareil. C'est pas pareil, ça veut dire que assumer responsabilité, faire ça, doit faire, côtoyer. Si c'est au niveau construction, eh bien, que qu'on fait construction bien, qu'on choisit bien côté qu'on a pris de construction, que nous fait éducation jeune dans l'école, pour ne pas paniquer. Que nous préparer réponse pour que l'heure soit faite, eh bien, instance qu'il a pour porter secours, eh bien, il est préparé pour porter secours. Pour ne pas attendre 3 jours, 4 jours, que la communauté internationale a mobilisé pour avoir assistance pour nous. Il faut que ce secours commence avec voisins. Donc, si c'est la commune ça, qui est affectée, la commune qui est à côté, qui est moins affectée, il faut être capable de porter secours. Mais pour porter secours, il faut avoir connaissance, il faut avoir moyens. Donc, il faut nous bailler tête nos moyens pour nous assumer la responsabilité de nous. Parfois, le plus souvent, il y a dit que, ok, je voulais faire responsabilité, mais je n'ai pas les moyens. C'est nous pour qui dégagez les moyens pour nous faire. Nous ne pouvons pas attendre que Blanc, communauté internationale, pour les moyens pour nous. D'ailleurs, ils ont commencé à réticent, ils ont dit, reconstruction, 8 ans après, dans quel point que reconstruction est ? Ils ont réuni comme. Est-ce que c'est étranger qui a pu faire reconstruction pour nous ? Non. Il y a quelqu'un qui a dépassé, mais les États-Unis, ça a eu là. Donc, si ce n'est pas nous-mêmes pour qui faisons des choix pour nous construire le pays, nous, il n'y a personne qui a fait pour nous. Il faut que nous construisions un pays qui est résilient parce que géographiquement, côté que nous situons, il y a des menaces. Il y a près de 7 à 8 menaces naturelles qui sont capables d'affecter nous. Donc il faut tenir compte de menaces pour que eh bien, nous préservions les générations à venir. Même si menace n'a pas arrivé qu'on y a, mais nous avons petites nous, on travaille pour l'avenir. C'est nous-mêmes qui avons bénéficié de toute action que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons légué un héritage qui a servi et au même tout. À partir de l'exemple, ça, il y a légué un héritage pour la génération qui va venir. Et c'est ainsi qu'au fil des années, nous avons un pays qui est résilient, nous avons un pays qui est vivable. Je veux dire, comment ça est au niveau des mines pour suivre un sismique là ? Ça va très bien parce que pour la première fois, le budget de fonctionnement de l'État haïtien pour l'exercice 2017-2018, il y a un effort qui est consenti côté que nos budgets que nous demandons, 7 millions de gourdes, pour qu'ils permettent de payer les frais à supporter, faire maintenant station. Yo. Donc si on est capable de faire l'information qu'on a, c'est parce que nous avons moyen pour nous fonctionner. Et comme c'est sous budget de fonctionnement que lié, donc j'espère que chaque année, nous avons monté ça. Maintenant, lorsque nous avons des dépenses qui sont beaucoup plus élevées pour faire acquisition d'autres appareils qui dépassent 4 budgets noirs, donc on a espéré que sous budget d'investissement, nous avons plus de montants pour nous renforcer l'équipement. Parce que son bagage d'utilité publique que lié. La prendre service à pays, à population, c'est vieux population sur sa capacité en termes de sismicité et sous pas une meilleure connaissance de sismicité locale, là, on n'est pas capable de prendre des mesures. Et là, l'été a tremblé, on n'est pas obligé de paniquer. Bon, ça encore, ça, sur notre histoire, c'est éducation population. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation nationale introduise le curriculum d'école au niveau qui doit atteindre jusqu'à l'université des cours de connaissance des menaces naturelles, des simulations. Pour que le réflexe-là, l'intégrer nous, le faire partie de nous-mêmes, ce n'est pas le secousse-là en fait ou pas le réfléchir ça pour faire. C'est fait que automatiquement, eh bien, ce bagage qui vient tout à fait naturel. Mais ça demande des temps, ça demande une construction, de petit monde en petit, eh bien, jusqu'à ce que le grand, eh bien, son réflexe est naturel que lui. Parce que là, il y a quelqu'un qui est toujours traumatisé. Hein? Bon, là, toujours traumatisé, hein, parce que nous, monde qui était vivre le 12 janvier, il y a des gens qui m'ont parlé avec eux, depuis que je ne dis pas parler de bagarre comme ça, parce que son souvenir que je n'ai pas besoin du tout. Il est trop dur pour moi. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Parce que c'est un peu le monde mourir par ignorance. Donc, on ne peut pas continuer, on ne pas d'accord pour continuer l'ignorance, ça, on ne peut pas de parler de bagarre ça. Donc, ou t'es victime, c'est par ignorance. Donc, il faut que vous décidiez, oui, ça fait parce que vous êtes mal comporté. Parce que vous avez vécu dans un cas qui n'est pas bien fait.
Voilà ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, petit trop, demain, il n'y ait pas victime. Il faut attendre et appliquer. Et ça me craint, c'est que des gens qui ne peuvent pas vivre 12 janvier, qui peuvent être fêtes. Donc, dans 25 ans, la prochaine génération de monde, j'en ai commémoré 12 janvier qu'on y a là, nous ne pas commémorer le même jour encore. Même genre le 7 mai 1842, ça ne va dire personne n'a rien, parce que pas de personne qui était là le 7 mai 1842. Donc, ils vont en Haïti, 12 janvier arrivé, ça ne va pas dire personne n'a rien, parce qu'ils ne pas de vivre, ils ne pas connaître, et n'oublier. Donc, c'est devoir institutionnel pour pérenniser 12 janvier. Pour 10 générations qui ont mais ça qui est arrivé, on certain 12 janvier, mais victimes qui ont gagné. Même mesures que nous devons prendre pour éviter que ça arrive à l'avenir. Donc, il faut qu'on devoir de mémoire. C'est ça. Et là, on cite Saint-Christophe, qui t'a doué, n'est-ce pas? Ça c'est une. Maintenant, pérennisation, c'est au niveau de la construction. Il faut que nous instituions des lois pour que nous, désormais, la construction, les comptes qui j'ai pour le faire. Donc, dans 25 ans, dans 30 ans, génération qui part vivre de janvier, ils vont nous héritage, mais qui j'en parle de compte construit, parce que pays a son pays par sismique, donc, mais qui j'en doit adopter construction. Donc, c'est pérennisation, ça va nous faire. C'est culture du risque, là. Pérennisation au niveau des types de construction, des types de bâtis. Donc, c'est lui-même pour nous transmettre. Non seulement, il faut que nous gagnions au mémorial pour nous commémorer mémoire, mon yo, ça fait li bon. Mais il faut que nous allions encore beaucoup plus loin dans le devoir de mémoire. Monsieur Monsieur, avant 12 janvier, on était parle en pile dans la radio, dans la télévision, mais ça m'a empêché 12 janvier arriver et il fait des galfaya. Bon, c'est dommage parce que Haïtien, c'est Saint-Thomas-Guélier. Maintenant, malgré que 12 janvier fait, est-ce que le croit toujours? Je me pose la question. Maintenant, il faut que nous ne pas chita sous ça. Parce que un pays qui a des institutions, eh bien, que Haïtien voulait, que le pas voulait, institution est là pour faire ça a rien pour faire et forcer la population, forcer les gens à prendre des mesures. Et à la longue, il n'y a pas ché. Comme vous avez dit, si l'envie font caille, c'est pas une zone, un pays à côté de la CAP moins exposé à risque sismique. Bon, c'est sûr que dans la zone du plateau central, là, je vous dis, mais c'est le nord du plateau central, mais nous avons toutes les informations. En 2017, le plateau central est tombé. De toute façon, nous, les gens qui construisent un caille, pas capable carrément de terrain et puis le construire. Il y a un minimum d'études pour qu'il fasse ce sol. Pour le connaître qui profondeur pour le mettre fondation, il faut le chercher rocher, bon roc là, pour le mettre fondation. Si son sol qui mou, eh bien, sol ça a pas de problème. Donc, au minimum d'études, il faut que le monde qui a fait carrière là, qu'on ça l'a fait. Même s'il n'a pas appliqué des règles parasismiques, au moins les règles conventionnelles, il est appliqué. Parce que quand pile construction 12 janvier, c'est pas ça que tu es campé, c'est pas des constructions parasismiques que tu es. Construction était bien faite, tout simplement. Ingénieurs qui fait construction ça, ils étaient bien faits. C'est des mondes qui sont consciencieux. Maintenant, si vous ajoutez à règlement conventionnel ça, une dose de règlement parasismique, ben, c'est parfait. On va préserver l'investissement. Donc, quel que soit à côté qu'on va construire, il y a un minimum d'études pour qu'il fasse ce sol-là, un minimum de règlement pour respecter en termes de ferraillage, en termes de dosage, en termes de quantité de ciment, etc., en béton. Un minimum de mise en œuvre de bonne qualité pour qu'il fait par boss maçon, par contre-mètre là. Un minimum de contrôle pour que l'ingénieur fait pour contre-mètre la fête. Un minimum, un maximum de contrôle pour que l'institution là, c'est eux-mêmes qui veillent. Donc c'est Walmerio. Donc si contrôle la fête à tous les niveaux, et client lui-même accepte de dépenser ça, il doit dépenser pour le capable d'assurer l'investissement là. Eh bien, investissement là, il est rentable. Moi, je suis en masse, tendance pour que nous construisions en hauteur, avec une institution de l'État qui a monté là. Bon, nous n'avons pas le choix. Et ce n'est pas la construction en hauteur là qui pose des problèmes. Regarde un pays comme la Californie, un pays comme le Japon, c'est en hauteur, il n'y a pas construit, pas capable de construire seulement à l'horizontale, pas d'espace encore. C'est en hauteur. Donc, nous avons un terrain tout petit, on est capable de construire en hauteur, mais. Sol là, qu'on y a. Ça m'a demandé aux études de sol, ça m'a demandé pour est-ce que le nombre de détails ça a. Est-ce que construction peut entrer en résonance avec ce type de sol-là? Donc, il faut adapter construction à tout paramètre dynamique sismique pour que le tremblement de terre fait, et bien, quand elle a balancé à droite et à gauche, mais le papier fond des eaux. Alors, donc, le problème, ce n'est pas béton. Parce que après 12 janvier, un peu le monde dit que je ne vais pas dormir en bacaille béton encore. Le problème, ce n'est pas le béton. Le problème, c'est de la manière de construire. Le plan qu'on gagne, le calcul. Que vous faites pour faire construction.
la mise en œuvre construction. Si ça n'a pas fait, eh bien, construction a tombé. Il y a des tentatives faites pour reconstruire par les nationales, il y a des appels à candidature, il y a des films d'architecture qui ont porté plein. Et tu as posé le fait le 12 janvier à Nissa, et vous êtes un peu petit. De recevoir les directeurs hispans, les architectes de la tour, ils ont été consultés même. Vous avez l'idée pas, est-ce que là, on est obligé à le construire, le palais, puis après un gros tremblement de terre pour le retomber encore? Bon, tu as une réunion que tu as fait avec le comité A, effectivement, et justement, j'ai été consulté moi pour que il n'y a pas reconstruire le palais pour qu'il tombe encore au prochain séisme. Donc, d'après toute étude de géophysique qui est faite, donc en vitesse d'onde de cisaillement sur terrain palais, sont très mauvais terrain, parce que c'est des sédiments, oui, sont très mauvais terrain, et les classés C ou bien D, d'après International Building Code. Ensuite, fréquence là, bon, sont zones de remblayage qu'il y a. Toute zone bon cathédrale, tout en bas de la ville, sont zones de remblai qu'il y a, de très mauvais sol. Maintenant, ça m'avait dit qu'on n'est pas capable de construire sur lui-même. Maintenant, information, il y a une copie d'étude de microzonage sismique qui est faite pour la zone métropolitaine. Parce que la zone Paléa fait partie de l'étude de microzonage. Là. Donc, il y a toute information. Donc, dans l'appel d'offres, il y a intégré l'information à la donne pour que le monde qui a fait construction tenu compte de paramètres sérieux pour construction. Et monsieur est certain que si on respecte tous les paramètres, eh bien, même si on reconstruit le palais à l'identique ou bon, l'autre palais, donc si fondation bien faite, si structure bien étudiée, eh bien, au prochain séisme, il va craser. Ce sont ceux qui m'ont donné un pile de travail. Qui m'ont donné un pile de travail. 8 ans après, message à ceux qui s'allient avant d'aller. Assumons nos responsabilités. Son responsabilité qui est à la fois individuelle et collective, et l'État, là, lui-même, pour guider nous. Pour bailler le ton. C'est eux-mêmes qui là pour faire application des règlements. On commence à appliquer la loi, faire mes genoux, que ces amis et nous, que ce n'est pas amis et nous, appliquer la loi. Assumons nos responsabilités. Les décideurs, assumez vos responsabilités. Et si nous n'avons pas fait assumer les responsabilités, cherchons l'autre monde pour assumer les responsabilités. Et si simple citoyen n'a pas respecté la loi, il y a à l'encontre de la loi, il faut que y ait des sanctions pour qu'ils mettent à l'ordre. Pas pour une dictature. Mais je prône la dictature de la loi. Appliquons les règlements. Faisons les choses proprement. Ce n'est pas normal pour que l'on capitale ou entre la donne, la Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, ou entre pour que c'est sacré, c'est spectacle sacré. Des bidonvilles, des marchés, des mônes qui appropriés, on fait n'importe quoi, on construit de n'importe quelle manière, dans les lits des ravines, alors que nous avons un pays côté que érosion, taux d'érosion très élevé. Il y a une inondation, il y a un cyclone chaque année, il y a un problème de tremblement de terre, nous avons 1500 km de côte qui est capable d'affecter votre tsunami. Et puis, on fait n'importe quoi dans cet environnement fragile. Protégeons-nous d'abord. Et pour nous protéger tête, nous, eh bien, il faut que nous soyons assez lucides. Il faut que nous sachions ce que nous voulons pour le pays. Est-ce que nous voulons le développer ou bien nous ne voulons pas le développer? Est-ce que nous voulons que les touristes entrent dans le pays? Est-ce que nous aimons que nous exploitions les plages? Nous avons un pays côté que. Jeunes ont suspendu quitter le pays après à l'extérieur, eh bien, on nous rend le pays vivable. Et pour que ce pays soit vivable, nous devons assumer nos responsabilités. Et avant ça, il faut par-dessus tout aimer ce pays. Si vous ne remenez pas, oubliez-le. Mais ça remet le pays, on travaille pour nous changer. On travaille pour que le monde qui l'a assume les responsabilités du simple citoyen jusqu'au premier serviteur de l'État qui est le président de la République. Et certainement, et tout ça, c'est en fonction de choix. Ce sont des choix. Parfois des choix qui sont difficiles, parfois des choix qui prennent plus le courage. Choix pas facile. Mais il faut que ce soit des choix raisonnés, réalistes et des choix au profit du pays, pas au profit de quelqu'un, au profit du pays, au bénéfice de la majorité de la population. Je me bataille même pour la prochaine fois, nous rencontrer le monde pour que tout le monde soit avec nous. On t'a souhaité ça, toi. Merci un peu, professeur Pripti. C'était un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Claude Pripti, directeur général du Bureau des Mines et de l'Énergie. Vous nous retournez sur 12 janvier, mais tout regarder ce que ça ne fait, qui pas fait, qui ça ne besoin continuer de faire pour réduire la vulnérabilité pays par rapport au risque sismique. Merci tout le monde. Soutenez là en direct, après tout, passez une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt. Merci. Merci.